Hey, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve sur Miss Lucius Play. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu spéciale, ça a été demandé par une de mes abonnées dans un serveur public. Alors on m'a dit de faire 24 heures en mode aesthétique. Alors je sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est un thème, il est vraiment très très beau. C'est vraiment la tendance en ce moment, s'habiller dans un mode aesthétique. Et aussi décorer ta maison, enfin bref, tout en mode aesthétique. Alors c'est parti, on y va tout de suite. Pour commencer, je vais donc décorer un petit peu cette chambre, un petit peu dans les tons aesthétiques. Alors dites-moi si c'est comme ça qu'on prononce, mais j'aime beaucoup les couleurs utilisées. Ce sont en fait des couleurs pastels, des couleurs neutres. Donc c'est parti, là vous avez vu, c'est cette couleur, nous on va changer, on va prendre cette couleur-ci. Voilà, ça je pense que c'est pas mal. Après, est-ce qu'on peut changer la couleur de ça? Non, non, oh my god, ça me fait beaucoup de couleurs que tu peux pas changer. Allez, on va essayer de changer ces rideaux. Pareil de ces couleurs, vous avez vu, c'est vraiment des couleurs neutres, comme ici. Le lit, pareil, allez, on va changer de couleur. Pareil, on va prendre cette couleur-là, c'est pas mal. Oui, on va dire que c'est bon. Le tapis, déjà ma maison, elle est un petit peu en mode esthétique, donc voilà, voilà. Allez, il y a ce tapis-là aussi, on va changer un petit peu de couleur. On va prendre cette couleur-ci. Donc, vous avez vu un petit peu le thème, c'est ça. Ah, tu peux même changer la couleur de la plante, c'est super ça. Voilà, donc nous avons un petit peu l'idée de à quoi ressemble une chambre aesthétique. Alors c'est bon, une fois que tout ça c'est fait, oui, je peux les changer. Je vais prendre dans les tons vraiment très 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 clairs. On va changer cette couleur. Voilà, là je trouve que c'est pas mal. Alors pareil, maintenant c'est au tour de la chambre de Bella. C'est parti. Vous avez vu, c'est vraiment un thème très très beau. Les couleurs sont vraiment très très belles. Alors là, on peut pas changer. Nous avons ici une plante. On va te donner cette couleur-ci. Voilà. Donc là, c'est bon. Je pense que tout est prêt. Et ensuite, on y va. Du coup, dans la salle de bain, je pense qu'il n'y a pas grand chose à changer. Oui. C'est déjà en mode esthétique. Je trouve que dans ma maison, le truc le plus beau, c'est la salle de bain. À part ça, je ne trouve rien d'autre de plus beau, mais j'ai hâte de faire une déco. Vous allez l'adorer, j'en suis sûre. Alors, ensuite, nous avons la cuisine aussi. Là, je pense que tu peux changer la couleur. Pareil. Oui, tu peux changer la couleur. On va prendre toujours cette couleur. On va prendre cette couleur. C'est bon ou pas ? Ouais, les chaises, on va prendre cette couleur un petit peu plus foncée. Hop là, voilà, là je trouve que ça va, ça fait plutôt joli. De ce côté-là, nous avons ce tapis aussi. Allez, on va prendre cette couleur. Voilà, c'était juste les coussins. Donc vous avez vu un petit peu, alors nous avons de ce côté-là le petit coin de Bella. Je sais pas pourquoi je suis à fond sur cette couleur. Hop là, donc là c'est bon. Dites-moi les amis si c'est bon. Ensuite, nous avons ce côté-ci, hop là, cette chaise, on peut changer sa couleur, non, ça non plus. Ok, bon, la piscine, il n'y a pas de changement puisqu'il n'y a rien dans ma piscine, voilà, voilà. Donc les amis, là c'est bon, je pense. Quoique changer le papier peint des murs, on va voir ça, s'il y a quelque chose d'esthétique. Voilà, comme vous pouvez voir ici, les fleurs. C'est pas mal, mais ce n'est pas ce que je veux. Il faut que j'aime aussi, en fait, hein, avant de faire ce grand changement. De ce côté-là, ça va là, non? Je pense que je vais faire une chambre spéciale fraise. Oh my god, c'est juste dur. Alors, on va du coup partir sur ça. Ça aussi, ça fait esthétique. Dites-moi si c'est bon ou pas. Moi, je trouve que ça va, ça fait un petit peu le thème. Ouais, je pense qu'on va laisser comme ça, du coup. Ok, en tout cas, c'était pas cher, donc ça, c'est super. Donc voilà, les amis, je fais fin des modifications de ce côté-là. Donc c'est bon, ma chambre est prête, plutôt ma maison, c'est même plus une chambre, là, du coup. Maintenant, je vais vous dire comment m'habiller en mode esthétique. Alors, dites-moi, les amis, si c'est bon. Je vais m'habiller un petit peu genre comme dans mes miniatures. Vous avez vu la maman de Clara par exemple. Elle porte par exemple ça, vous avez vu les amis. C'est esthétique. Sinon vous avez quoi?
Attendez, on va peut-être enlever le haut. Vous avez vu ça par exemple, ça fait aussi esthétique. C'est dans le thème, vous avez vraiment beaucoup de choix. Il y en a plus pour ce thème, donc c'est vraiment pas compliqué du tout. Vous avez ça, ça aussi j'aime beaucoup. Regardez-moi ce look, il est trop beau. Ah voilà, donc comme la maman de Clara, vous pouvez mettre ça aussi. Je pense que c'était comme ça, voilà, vous mettez un pantalon comme ça, c'est bon, ça passe. Ensuite, il nous faut un chapeau, j'en avais vu un aussi. Vous avez ça, c'est à vous de choisir, ça aussi c'est très utilisé en mode esthétique. Sinon, il y avait un autre chapeau, je sais plus s'il est là ou pas, mais vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Moi, je pense que je vais enlever ma couronne, voilà. Donc, ça aussi, ça m'a l'air pas mal, hein. Attendez, voilà, ça fait genre un petit bandana, mais j'en porte déjà un, donc on va enlever un. Ça c'est comment? Non, ça ne passe pas avec ma couleur de cheveux. Alors là, pour le coup, aucune idée quoi. Mais sinon, t'as vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Ça aussi, c'est pas mal. Là, je pense que je vais passer des heures pour choisir un chapeau. Ah, par contre, ça, celui-là, j'aime beaucoup, mais ça ne va pas avec ma tenue. C'est pas très grand. Par hasard, moi je cherche vraiment un chapeau qui est très utilisé avec ce thème, mais je sais pas en fait c'est lequel et il est où. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de le chercher. J'aimerais vraiment un total look. Peut-être il faudrait que je tape. Alors voici tout ce qu'on me propose pour les chapeaux. Non, donc ça veut dire qu'il n'est pas là. C'est vraiment vraiment dommage. On va essayer autre chose par exemple. On va essayer ça. Je suis chauve, ne vous inquiétez pas. J'ai retrouvé mes cheveux longs. Alors ce qu'on utilise très souvent, c'est des cheveux comme ça. Voilà, vous pouvez être comme ça. Sinon vous avez d'autres types de cheveux. Vous avez ça aussi. Je trouve que c'est très beau. Ensuite il y a ça. Sinon vous avez ça. Très souvent c'est des trucs comme ça. Ça aussi c'est pas mal. Oh j'aime trop celui-ci. Bien 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 coiffé quoi. Ensuite vous avez quoi d'autre? Voilà, très souvent il y a ça aussi. Ça aussi c'est pas mal. Mais là je pense qu'il faudrait que j'enlève mon accessoire. Il gâche un petit peu tout. Vous pouvez prendre voilà des petites fleurs comme ça. Vous en avez en rose aussi. Ça aussi je trouve que c'est bon, ça passe. Par contre, il faudrait que je change de sac. Ce sac ne me va pas pour ce thème. Il me faudrait un autre sac, par exemple celui-ci. Voilà, ça fait très esthétique. Sinon, ça c'est comment? Oh, ça aussi c'est cute. Ouais, je crois que je vais garder ça. Donc, voilà les amis, tout ce qu'on pouvait dire sur ce thème côté vêtements. Ah oui, pour les yeux, pour tout le visage, c'est ce look est parfait pour esthétique. Voilà donc comment sont habillées les personnes qui aiment la mode, la tendance. En plus, c'est tendance, donc esthétique. Dites-moi si vous aussi vous êtes habillé à peu près comme ça. Nous avons aussi des boucles d'oreilles. Ça aussi, il faudrait peut-être que je change. En ce moment, c'est tendance, donc si vous aimez, c'est super. Voilà, vous avez des boucles d'oreilles comme ceci. C'est cute, des créoles. Donc voilà les amis pour ce thème. Oh my god, Bella est malade. On doit aller à l'hôpital. Allez Bella, c'est parti. On y va du coup à l'hôpital. C'est vraiment très très beau le mode esthétique. Alors nous avons dit 24 heures en esthétique. Donc quelle voiture choisir alors? Si on respecte bien, c'est peut-être cette voiture, oui, pour ce thème. Allez, allez, on y va tout de suite, direction l'école. Du coup, Bella, ah non, pas l'école. Ah si, l'école, l'hôpital. Tu as beaucoup, beaucoup de choses à faire. Tout d'abord, nous allons voir le médecin. Allez, viens, Bella. Ah, il faut que je te porte. Normalement, tu es très grande, Bella. Tu devrais marcher un petit peu toute seule aussi. Allez, on arrive. Bonjour, monsieur docteur. Bien sûr, je suis très heureusement aussi de vous voir et pouvez-vous soigner ma petite Bella? C'est bon, merci beaucoup. À bientôt. Allez, on y va, on sort d'ici et tout de suite, direction l'école. Nous voici donc à l'école. Tu as besoin de dormir, manger, boire, prendre une douche. Bah, c'est bien, je vais gagner un petit peu de bucks. En tout cas, c'est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Mais moi, j'aimerais trop créer ma propre tenue. Voilà, une tenue qui me ressemble, ce serait pas mal. Ensuite, boire et manger. Voilà, ok. Du coup, c'est bon Bella, je peux monter sur toi ou pas?
Oui, il faudrait que tu marches aussi un petit peu. Hop, 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 tout va bien, ne vous inquiétez pas. C'est bon, on y va. Tu as besoin de prendre une douche, nous allons placer notre maison ici. Allez, non, tu sais quoi, tu vas prendre ta douche dans ta chambre. Ah non, c'est pas ici que tu devrais prendre ta douche. Attends, attends, moi ça va pas du tout. Maintenant, je confonds une baignoire et un lit. C'est nouveau ça. Dites-moi si je suis belle. Moi, je trouve que ça va. Ça respecte le thème à esthétique. En tout cas, voilà, l'abonné qui m'avait demandé d'être 24 heures en esthétique, bah voilà, j'ai fait une vidéo spécialement pour toi. Je me rappelle plus de ton nom, mais voilà, voilà. Allez, tu sais quoi, nous allons regarder des séries et des vidéos à esthétique. Je sais pas si ça existe une série à esthétique. Non, je crois pas, je vais trop loin, je crois. Bon, c'est pas grave, on regarde, nous, notre série préférée, Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. Et ne vous inquiétez pas, les amis, dans ma chaîne Mysticious Paris, il y aura des roleplays concernant Marinette, Adrien, Chloé, voilà, tous les camarades de sa classe de Marinette sur ma chaîne Mysticious Paris. Donc restez connectés et abonnez-vous sur cette chaîne, il y aura des roleplays aussi, comme sur cette chaîne. Voilà, voilà, sauf qu'il s'agira des thèmes de Miraculous et peut-être même la suite. Voilà, mais sinon je ne continuerai plus à faire de vidéos de poupées, ça c'est décidé. Bon, vous savez quoi, Bella, elle a mangé, mais maintenant c'est à mon tour de manger quelque chose. C'est parti, allez, un donut, j'en ai pris un ou pas? Voilà, glaçage, ok, c'est bon, je peux m'asseoir moi aussi et manger tranquillement mon donut. Miam, miam, miam. C'est trop bon. Miam. Alors Bella, elle est toute sage. C'est super. Ça t'arrive pas ça très souvent, hein? Allez, viens ici, ma belle Bella. Tu sais quoi? Là, on va se reposer un petit peu. Nous avons mangé. Nous avons regardé la télé. Toi, tu vas te reposer un petit peu. Moi, je vais prendre une douche. Et on se retrouve, bah, demain. Allez, bonne nuit, ma belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne qu'on adore. Bon, vous savez quoi? Là, je vais me prendre une douche. Et je ferme la porte, bien sûr. Allez, à toutes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais tous de gros bisous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Salut, salut tout le monde.